Comment ça se fait qu'ils ont réussi à me kidnapper aussi vite? C'est pas possible. Notre maison était censée être super sécurisée. Il faut absolument que mon petit chat cadoiré va ramener ce message-là à tous mes abonnés, à mon amoureux BDD. J'espère que durant mon absence, tout le monde va mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir pendant ce moment très difficile. Et surtout, que tout le monde mette le code créateur chat pour financer mon armée. Là, c'est vraiment important parce qu'ils doivent venir me sauver. Sinon, je risque de mourir dans cette prison et plus jamais faire de vidéo. Il faut qu'on récupère mes derniers cartons, BDD1. Oui, oui, t'inquiète pas. Là, on a pris le gros camion, là, ça va aller bien. Hein. Oh, ils sont là, c'est bon. Ils les ont bien mis tous dehors, les petits chats. Et après, toi, tu vas aller récupérer les autres cartons à Coracasel, c'est ça? Ouais, ouais, ça va me prendre un petit peu de temps. Par contre, il va falloir que j'y aille seul. Je te laisserai en sécurité, mais tout ira bien. Hein. Oups, oh attends, je me suis caché. T'es bizarre, toi. Hop, on les récupère. Hop. Hop, tu vas me laisser combien de temps, BDD, toute seule à la maison? Bah à peu près 24 heures, mais bon t'inquiète, ça ira bien. Hein. Tu seras en sécurité, il y a tous les poissons militaires, tous les muscles très musclés, tout ira bien. Hein. Oui, mais au cas où, il y a le bunker. Toi, tu seras pas en sécurité, BDD, tout seul à Coracasel Castle. Oui, mais t'inquiète, la dernière fois, ils ont voulu te kidnapper toi, pas moi, donc bon, moi, normalement, ça ira quoi. À quoi que, mais bon t'inquiète, je vais me défendre, regarde, j'ai un couteau. Ok, d'accord. Je vais voir s'il me reste quelques affaires encore dedans. Donc, je laisse tout ça. Est-ce qu'on la brûle, cette maison? Elle va manquer, cette maison, BDD, quand même. Elle était vraiment moche, cette maison, quand même. Hein. Après, on peut la laisser au cas où. Hein. Quand on aura tué Princesse Poscaille. Quoi? T'aimerais bien vivre ici avec moi? Regarde, on pourrait prendre des petits bains ici tous les deux. C'est vraiment chouette. Pas trop envie de me baigner dans la mare au crapaud, mais bon, on verra dans notre maison luxueuse, quoi. Bon, allez, cache tout ça. Ferme ce truc tout moche, là. Bon, bah écoute, ma petite maison d'amour, vous allez me manquer. Je suis un peu triste, un peu nostalgique quand même, mais bon, c'est pour un nouveau départ. Bah oui, tout ira bien, t'inquiète. Par contre, je vais prendre Bernard et Bernard, les deux poissons. Ah oui, prends-les, bien sûr. Comment ça se fait que tu laisses les poissons ici, là? Bah parce qu'ils sont bien dans ma petite mare. Hop! Ah, tu m'écrases, BDD. Mais c'est toi qui avances devant, là, monte derrière. Allez, on y va. Allez, c'est parti. C'est encore loin, BDD? Bah, tu sais très bien le trajet, on l'a déjà fait, espèce de oui, patate. Oui, mais là, je me rends pas trop compte, j'en ai marre de la voiture, c'est long là. Encore 5 minutes, t'inquiète, pile poil 5 minutes, tout ce qu'il faut là. Ok. Et toi, du coup, ça te met combien de temps de trajet pour aller à Coral Castle de la nouvelle maison super sucrisée? Bah, à peu près 10 heures, du coup, aller-retour 20 heures, et le temps que je chope tous les cartons, bah, 4 heures quoi. Surtout qu'il faut que je fasse ça discrètement la nuit, comme ça, après, c'est parce qu'elle sait pas que je suis là. Et BDD, bon, t'inquiète. BDD, imagine, il m'arrive quelque chose, j'ai un mauvais pressentiment, je ne sais pas pourquoi. Mais non, t'inquiète, j'ai payé une maison à des milliards de V-Bucks, là, tout ira bien, carrément. Ok, BDD. Puis au cas où, comme je t'ai dit, tu vas au sous-sol. Oui. Il y a les poissons militaires, ils ferment le bunker et t'es en sécurité. Et moi, j'arrive. Je suis automatiquement alerté et j'arrive. D'accord, BDD. Et puis, de toute façon, comment tu veux qu'ils nous retrouvent? On est parti tellement loin, la maison est tellement loin qu'on est tranquille. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils commencent à faire nuit. Ils sont où, les poissons et les miens musclés, BDD? Pourquoi il y a personne qui surveille la maison? Je sais pas, moi, ils sont peut-être dans la piscine. Ils font des carabistouilles des fois, là. Ou alors ils font une ronde peut-être, on sait pas. Hein. Ouais, ils sont peut-être partis dormir. Ah oui, quadrille la zone là. Bon, ramène-toi, on va ramener les cartons là, vite. Tu dois poser où les trucs? Viens, on va les poser dans la chambre. Dans la chambre tout? Oui, dans la chambre tout, viens. BDD, en cas s'il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, tu viens me sauver. Hein. J'ai peur que tu me laisses toute seule. J'ai toujours peur que tu me laisses toute seule, BDD, je te jure. Par contre, on a un problème, c'est que du coup, je vais devoir désactiver mon téléphone pour pas qu'elle me repère sur les satellites. Mais t'inquiète, dès que j'ai fini de rentrer à Coral Castle, là, tout prendre, je reviens, je réactive mon téléphone et je suis là. D'accord, BDD. Bon, bah écoute, je vais aller faire dodo un petit peu. J'attends que la nuit elle passe et normalement demain tu seras avec moi, demain soir. Oui, t'inquiète, dans 24 heures quoi, je suis là. Allez, bisous. Bisous, BDD. A plus tard, Nouti, à la prochaine. Bisous, fais vite. Prends soin BDD. De toi. Bisous. T'inquiète, et essaie de trouver un miaouf qui est là pour te protéger la nuit là. Oui, je vais aller les chercher, je vais mettre mon pyjama et je vais aller les chercher, BDD. A plus tard. Bisous, mon BDD d'amour. J'ai bien dormi. Il me manque déjà mon BDD d'amour. Alors, je vais aller prendre ma petite douche. Un plat. Inspection des boutons. Rien sur la tête. Hop. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous, devant mon lit? C'est BDD. Il m'a chargé de vous surveiller. Mais par contre, restez pas devant mon lit. Mais vous m'avez vu dormir? Non, je viens d'arriver. Justement, j'ai entendu le bruit de la douche et je me suis dit, je vais vous attendre ici. D'accord, très bien. Donc, du coup, vous devez me coller à la semelle de chaussures, là? Ouais, avec une certaine distance, quand même. D'accord. Bah, écoutez, je vais prendre mon petit déjeuner, alors. Mais je vous suis. Vous êtes en sécurité, mademoiselle. D'accord, monsieur. La cuisine. Ce n'est pas là-bas. Je me rappelle plus où c'est la cuisine, si je peux... Suivez-moi. Merci, monsieur. Pas de soucis, vous n'avez pas encore passé beaucoup de temps ici. Ah oui, effectivement. Oula, vous êtes pressé de manger, hein. Oui, j'ai un peu faim quand même. En plus, il y a une belle tarte aux pommes que je vais manger juste ici. Bon, ne faites pas attention, s'il manque quelques poissons militaires, ils sont encore en train de dormir. J'ai envie de faire une petite partie de foot, ça vous dit de venir avec moi? Pas de soucis, je vous suis partout. Allez, c'est parti. Par contre, je sais pas jouer au foot.
Bah, je vais vous apprendre parce que moi, je sais très bien jouer au foot. Hein. Vous êtes pas prêts, regardez. Ah, je n'ai pas le droit de jouer. Vous avez pas le droit de jouer? Bah, arrêtez. Mon but est de surveiller et de vous protéger. Bah, attendez, si c'est moi qui vous demande de jouer, vous avez bien le droit de jouer un petit peu avec moi. Non, c'est interdit. Bon, bah, écoutez, je vais jouer toute seule alors. Jouer, j'attends ici. Et but! Pas mal, non? Bien joué. Hop là! Et hop, Naughty qui prend la balle. Hop, 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 hop. Eh, loin de moi le ballon. Et... Oh non, c'est pas rentré dans le but. Vous avez dit quoi, monsieur? Vous êtes très nul. Mais je suis pas nul, n'importe quoi, voyons. Regardez, je vais vous remontrer encore que je peux faire un but. Wouhou! Ah bon. But! Ah non, je l'ai loupé. But! Hop là, vous voulez jouer avec moi au foot ou quoi? Hop, je rentre dans la surface et c'est le but de Naughty. Wouhou! Moi, je m'en... éclaté au sol. Arrêtez, en vrai je m'ennuie un peu quand mon amoureux il est pas là quand même. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. Hop là, oh, pourquoi j'ai joué en vrai? Ah là c'est trop tombé. Voilà, vous rigolez pas quand je joue au foot, monsieur poisson militaire? Attends pour moi. Attendez, hop là. Franchement, Zizou a qu'à bien se tenir, hein, moi je vous le dis. Hein. Non mais, on va où monsieur? Il faut appeler Médédé. Y'a Nautique à l'intérieur, y'a Nautique à l'intérieur. Faut appeler Médédé. Les bananes sont là. Ah. Appelez Médédé, appelez Médédé. J'essaie de contourner. Vas-y. Restez derrière moi, mademoiselle. Il commence à rentrer. Venez, suivez-moi, mademoiselle, on va couvert. Il faut appeler Médédé, là, s'il vous plaît, vite, faut qu'il vienne. Médédé n'est pas là, on ne va pas l'appeler. Oh, j'ai trouvé une voiture, je vais essayer de percer. On avance. Je vais vous protéger. Let's go. On y va. Bien joué, les gars, on a réussi à rentrer, c'est incroyable. Attention, les filles vont arriver, attention, préparez-vous les poissons, les gnocchis, préparez-vous. Je les entends, je veux deux bananes. Visez l'escalier. J'ai peur. Venez, Pourquoi ça ferme pas? Ne tirez pas, je ne ferai rien. Je suis négociateur. Les bâtards, restez derrière. Gizmo et moi, on y va. Restez derrière. Rangez vos armes. Ne l'approchez pas. Qui êtes-vous, monsieur? Présentez-vous. Je suis le dernier poisson militaire. Je dois la sauver et la protéger de vous. Ok, vous êtes le commandant général des armées des poissons, d'accord, c'est bien ça. Colonel, j'ai beaucoup de respect pour votre travail, d'accord. Mais aujourd'hui, ça ne vous concerne pas. Quel prix vous paye, BDD? On peut doubler la mise. Il paye 25 000 dollars tous les jours. Et bah voilà, tu vas mourir aujourd'hui. Non, me tuez pas, je vous laisse. Non. Vous pouvez me laisser en vie, je préviendrai BDD de vos actions, ne vous inquiétez pas. J'ai quelques questions à te poser, donc tu m'as dit que BDD te paye 25 000 V-Bucks pour la surveiller. C'est ça? Exactement, tous les jours. Où est BDD en ce moment? BDD va te tuer, tu nous trahis. Tu nous trahis, toi, là. Oh non. BDD est parti chercher ses derniers meubles. C'est pour ça, il est pas là. D'accord, ok. Bon, ta mission à toi, ça va être très simple. On va te laisser en vie pour une seule raison, monsieur... Général. Oui. Ta mission à toi, c'est d'annoncer à BDD que la grande guerre sur Fortnite commence et nous kidnappons Naughty aujourd'hui. Vous allez prendre Naughty? Oui, nous la prenons. On va la prendre et on va la prendre. Je vous la laisse pas tranquille. Salut Naughty! Comment ça va? Ça fait très longtemps qu'on parle pas. Me tuez pas, s'il vous plaît! Écoute, si tu montres le moindre mouvement de résistance, je tue ton chat! Non, promis, je vous suis. Je vais le tuer, je te jure! Ne tirez pas, c'est un kidnapping, les amis, nous sommes pas là ici pour la tuer, nous allons demander bien sûr une rançon, donc c'est important qu'elle reste en vie. Naughty, je te prie de nous suivre, s'il te plaît. Oui, je vous suis. Mais juste avant ça, Princesse Pascal, est-ce que t'as un mot à dire à Naughty? Naughty, on va se venger et on va te défoncer. Ah. Allez! suis-nous! Allez, en avant, mademoiselle Bédédouille! Mais de toute façon, BDD va vous retrouver, BDD va te retrouver, toi, Coco. Il va te tuer. Il va jamais me retrouver, j'ai l'armée des Givrax et les bananes dans mon camp! Toi, t'es le serveur, toi? Toi, t'es le serveur qui nous a servi au restaurant?
Alors oui, c'est mon frère Gogol, c'est lui qui vous a servi. Mais tu vois, comme quoi il fallait pas trop se fier au Givraxomax après tout ce qu'il a fait à notre famille. BDD va enfin payer. Vous allez tous crever, oui. De toute façon, faites les malins. Vas-y, je vous suis. Allez, tenez l'enjou, je vais chercher une voiture, tenez l'enjou. Ok, tu restes ici. Tu croyais vraiment que cette maison ultra sécurisée que BDD t'a offert allait nous arrêter? Ouais, mais tu t'inquiètes pas que... Allez, tu nous suis. Ok, je suis conducteur. Alors... Gizmo, tu conduis, Naughty monte à bord, ok, Princess Pascal, et une place pour moi, s'il vous plaît, merci beaucoup. Les Givrax, merci beaucoup pour cette mission, on se retrouve à la base secrète, à bientôt, les amis. Allez, nous, on se casse, on sort de la base, c'était incroyable, nous avons enfin réussi le kidnapping. Oui, et Pascal, bien sûr, tu surveilles Naughty derrière, hein, qu'elle fasse pas de mouvement. Bien sûr, bien sûr, ne bouge surtout pas. Ouais, par contre, t'en parles pas trop, tu pues la gueule. Oh là là. Tu veux me laisser? Bon, les filles, vous arrêtez de vous friper là derrière, s'il vous plaît, quand même, hein. Restons en bon terme. Descendez du véhicule, ils ont repéré la plaque d'immatriculation de la voiture, donc il faut pas qu'on se fasse repérer, on va continuer à pied. Suivez-moi. Allez, on repart au bercail. On a des jolies cellules.